Vous regardez Télé-Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal dominical. Dans l'actualité, ce soir, ouverture ce matin au Centre national des congrès du Qatar à Doha, des travaux de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés sous le thème du potentiel à la prospérité. C'est en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itnor. On fait le point avec Nassour Nouditi. L'imposant Centre national des congrès du Qatar à Doha a réuni ce dimanche 5 mars 2023 toutes les sommités en termes de chefs d'État et de gouvernement. 45 pays sont représentés, dont 33 d'Afrique et 12 d'Asie-Pacifique et de Haïti. Une vingtaine de discours ont été prononcés à l'ouverture des travaux devant un parterre de personnalités parmi lesquelles le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Tous les discours prononcés ont un même dénominateur. La pauvreté est moralement inacceptable dans notre monde d'aujourd'hui. Cette pauvreté doit être vaincue, dira l'émir de l'État de Qatar, son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il devait ensuite appeler à un changement de paradigme dans le financement du développement dans les pays les moins avancés. Très pragmatique, il annonce un appui financier du Qatar destiné aux pays les moins avancés à hauteur de 60 millions de dollars. Très poignant, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, martèle, je cite, « Les promesses non tenues doivent prendre fin maintenant. » Passons de la parole aux actes. Fin de citation. 6 000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des parlementaires, des responsables des jeunes, des leaders de la société civile, des décideurs, ainsi que de grands maillons d'entreprises régionales et mondiales prennent part aux assises. Dans l'après-midi, le président de transition général Mamad Idriss Déby Itno s'est adressé à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Je vous propose de suivre la quintessence du discours du chef de l'État avec Nassour Nouditi. Je voudrais tout d'abord saisir cette occasion. Intervenant du haut de la tribune de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a d'entrée de jeu exprimé ses remerciements à son Altesse, l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, ainsi qu'au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour les efforts si bien conjugués dans la parfaite organisation de cette importante conférence. Se focalisant sur le cas du Tchad, le chef de l'État a mis en exergue le plan d'action de la vision 2030, le Tchad que nous voulons et le mécanisme qui en découle, avant de plaider pour une mise à disposition de plus de ressources concessionnelles pour servir de levier pour le développement local et le renforcement du capital humain. Se tournant vers les investisseurs, le chef de l'État leur dira que le Tchad est un pays en friche. Il dispose d'énormes potentialités qui ne sont pas encore exploitées. Il a réitéré la volonté et la disponibilité du gouvernement à accorder des facilités à tous les investisseurs qui décident de venir y investir avant d'encourager les capitaux privés et publics à saisir les opportunités d'investissement qu'offrent les zones économiques spéciales qui viennent d'être créées dans plusieurs provinces du Tchad. Sur un tout autre point, le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, a porté à la connaissance de la conférence qu'en 2022, le gouvernement a recruté des milliers de jeunes à la fonction publique et financé plusieurs projets porteurs. À cela s'ajoute la relance des chantiers de construction des infrastructures routières et énergétiques,
ainsi que des réformes ambitieuses pour la modernisation de la fonction publique, la promotion de la bonne gouvernance, la valorisation de la gestion axée sur les résultats et la lutte contre la corruption. Recentrant son discours sur la portée de la conférence, le général Mamad Idriss Déby Itno dira que la rencontre de Doha ne doit pas être un autre forum de déclarations sans effet. Il ne sert à rien non plus qu'elle soit une occasion de nouvelles promesses qui viendront s'ajouter à celles non tenues. Les laborieuses populations des pays les moins avancés n'ont pas besoin d'une succession de conférences, encore moins d'une multiplication des engagements. Elles ont besoin des actes concrets qui impactent positivement leur quotidien. Enfin, le chef de l'État a exprimé son soutien au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour son soutien de relance des ODD qui prévoit la mobilisation de plus de 500 milliards de dollars annuels en faveur des pays les moins avancés. Monsieur Antonio Guterres. Restant toujours à Doha, après avoir prononcé son discours à la tribune de la 5e conférence des pays les moins avancés, le président de transition général Mamad Idriss Déby Itno est allé à la rencontre du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. La coopération bilatérale et la situation sécuritaire aux confins du lac Tchad étaient au centre de l'entretien. Nasser Onodidi. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a été d'un appui de taille pour le processus de transition enclenché au Tchad. À quelques mois du passage des témoins à son successeur nouvellement élu, le président de transition, président de la République et chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est venu à sa rencontre pour lui exprimer toute sa reconnaissance en son nom propre et celui du peuple tchadien en général, pour son implication personnelle dans le parachèvement de la première phase de la transition et son appui à la seconde phase. Sous l'impulsion du président Buhari, la coopération tchado-nigériane a pris son envol et la lutte contre le terrorisme dans le confin du lac Tchad a porté un véritable estocade à la secte Boko Haram. Aussi, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a-t-il émis le souhait de voir le successeur du président Buhari en la personne de Bola Ahmed Tinubu garder le même élan dans la coopération bilatérale au grand bénéfice des peuples nigérians et tchadiens frères liés par le sang, l'histoire et la géographie. C'est sur cette convergence de vues somme toute prometteuse que le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a pris congé du président sortant de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Voilà pour ce qui est du séjour du président de transition général Mamad Idriss Déby Itno au Qatar. Retour ici au pays et nous nous rendons à Bangor dans la province du Maïkopi-Est. Levé hier de deuil du général Rotuan Yoma Ogolong, le chef de l'État a été représenté par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République Jean-Bernard Padaré. On fait le point avec Alain Yomo. Hier, c'était son enterrement. Aujourd'hui, deux ans plus tard, c'est pour lever son deuil, ensuite inaugurer un mausolée construit pour immortaliser l'homme. Une cérémonie qui a drainé une foule venue des quatre coins du pays et du Cameroun voisin. Était présent le ministre d'État Jean-Bernard Padaré, représentant le chef de l'État, président de la République, son Excellence Mamad Idriss Déby Itno, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mamad Salé, le ministre de la Jeunesse Patalé Jo et bien d'autres invités venus honorer la mémoire de l'illustre disparu. Les autorités traditionnelles, dans leurs propos, affirment que feu général Rotuan Yoma Ogolong était un homme qui était toujours à leur côté, quelles que soient les circonstances.
Le général Massira Abel, lui aussi, dans le cadre du service, n'a pas tari d'éloge à l'endroit de la mémoire du regretté. Représentant la famille Routouan Mohamed Nonga Christian, l'un des fils du défunt, a dans son intervention loué les mérites de feu son père. Perdre un père, c'est perdre une partie de soi. C'est lui qui nous a appris tellement de choses. C'est perdre notre meilleur ami avec lequel on riait. Tant. Mais c'est surtout perdre quelqu'un qui a toujours été là pour nous. Ce n'est pas facile. Mais comme vous nous avez enseigné d'être forts, nous y arriverons. Car je sais que vous souhaiterez le meilleur pour votre famille. Le ministre d'État, Jean-Bernard Padary, a à cette occasion lancé un appel à la culture de la paix, la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique. Visite du mausolée et dépôt de gerbes de fleurs, voilà l'histoire d'un homme qui a fait dignement son temps. Voilà, justement, en cette circonstance douloureuse, le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Jean-Bernard Padary, a, au nom du chef de l'État, salué la mémoire de l'illustre disparu. Suivez un extrait de ses propos. Être personnellement ici parmi nous pour témoigner son attachement à la mémoire de cet illustre concitoyen, cet illustre homme. Vous commémorez la mémoire, j'allais dire, de 2 années de sa disparition au moment où notre pays tangue, qui a certaines velléités de division. Il y a certains groupes qui pensent que le Tchad irait mieux en le divisant, en le saucissonnant. C'est le lieu de rappeler à chacun de nous, ici présents, que nous devons perpétuer la mémoire de cet homme qui a toujours voulu d'un Tchad uni, d'un Tchad soudé. Cet homme qui a prêché de vivre ensemble dans le grand Maroc et Bible. Routouan n'a jamais traité un Tchadien de sudiste ou de nordiste, de musulman ou de chrétien. Routouan, pour lui, ce qui compte, c'est un Tchadien qui aime son pays. Nous devons donc, en ce moment précis, cultiver ce qu'il nous a légué. Nous devons faire en sorte que notre province, que nos provinces, que notre pays ne sombre dans ce délire inqualifiable. Voilà le ministre conseiller Jean-Bernard Padary dans des propos recueillis par Alain Ignomon. La suite de cette édition dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a organisé hier après-midi dans la grande salle de l'ONAMA une conférence débat placée sous le thème Transformation genre masculinité positive aux fondations de la réduction des inégalités entre les filles et les garçons. Cette conférence débat a été animée par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo. On fait le point avec Ibrahim Abdoulaye Wartouko. Dédiée à la lutte pour les droits de la femme, la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023 est marquée par d'importantes activités. Au siège de l'ONAMA, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a animé une conférence débat qui a vu la participation d'un nombre de femmes et de personnalités. Et c'est sous la directive de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo. Le débat est axé sur le thème « Transformation genre, masculinité positive, fondation de la réduction des inégalités entre les filles et les garçons ». Cette conférence débat a permis aux panélistes d'échanger avec les femmes venues de différents horizons sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'accès à la santé. La question de l'autonomisation des femmes et la scolarisation des jeunes filles a été également débattue. Dans son intervention, la ministre du Genre et de la Solidarité, rassure de la disponibilité de son département à œuvrer pour la cause de la femme tchadienne. Nous prenons bien note donc de toutes les propositions qui ont été faites et avec UNFPA, partenaire de la mise en œuvre de la politique nationale genre au Tchad,
Nous allons essayer donc de traduire en acte toutes les propositions pertinentes qui ont été faites. La contribution de la femme à la paix a été relevée par le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Il faut des lois pour protéger la femme. Il faut faire confiance aux femmes. Ce panel, animé par les membres du gouvernement, ceux de l'INFPA et d'un conseiller de transition, a permis d'édifier le public sur la thématique. Et puis, clôture hier après-midi de l'atelier de validation technique de la politique nationale de protection de l'enfance au Tchad, c'est toujours la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, qui a clôturé les travaux. Aimé Bialo. Ce document destiné à la protection de l'enfant au Tchad est validé. Une première pour la politique nationale de la protection de l'enfant. Lancé il y a 7 mois, ce projet est le résultat de 6 ateliers consultatifs. Ce document est très important et il permettra au gouvernement et à ses partenaires d'avoir une vision commune et de mieux accentuer les efforts en vue d'une protection réelle et ressentie de la cause des enfants. Je pense que c'est un réel, hein, c'est un rêve qui se réalise. Et je voudrais sincèrement vous remercier, vous tous ici, assis sur la table, vous remercier ou vous féliciter pour avoir concrétisé ce rêve que nous avions. Et le mérite, moi je le redonne à M. Hyacinthe, accompagné de M. le représentant. Pour le représentant de l'UNICEF au Tchad, Jack Boer, ce document est fondamental pour tous les enfants tchadiens. Il a salué les efforts de tous ceux qui ont travaillé pour l'élaboration de cette politique nationale en faveur de tous les enfants tchadiens. Réception hier des appareils de dialyse destinés au centre hospitalier universitaire de référence nationale. C'est la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zainab Béchir Moussa, qui a présidé la cérémonie en présence de l'ambassadeur d'Égypte au Tchad, Oussama El Hadi, ainsi que bien d'autres personnalités invitées pour la circonstance. Reportage Amine Mahmat Hadi, Ibrahim Abdoulaye Ouartougou. Les 15 machines de l'unité de dialyse offertes par l'ambassade de l'Égypte au centre hospitalier universitaire de référence nationale sont désormais mises en marche. Elles vont augmenter la capacité de prise en charge des personnes souffrant afin de bénéficier de la dialyse. Ces gestes de solidarité entrent dans le cadre d'excellentes relations qui existent entre le Tchad et l'Égypte, des pays amis et frères. Pour le directeur général, Salih Abdesalam, ces machines vont permettre d'améliorer le dialyse des patients. Ça permettra non seulement de prendre en charge les 50 patients qui sont là, et permettre aussi de faire revenir nos compatriotes qui sont en liste d'attente pour qu'ils ne soient pas loin de leur pays. La secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Mme Zainab Béchir Moussa, salue les partenariats entre le Tchad et l'Égypte. Il est recommandé l'implantation des centres de dialyse dans les différentes provinces afin d'éviter le déplacement des patients. La délégation a visité l'unité de dialyse au centre hospitalier universitaire de référence nationale et la construction de nouveaux bâtiments. Dans le cadre de sa mission de travail et d'inspection dans la province du Bata, le directeur général de la gendarmerie nationale a tenu ce matin une rencontre avec les responsables des forces de défense et de sécurité ayant à leur tête le gouverneur de la dite province. Cette rencontre est couplée à la dotation de la Légion numéro 12 à moyen roulant ainsi que la mise sur pied d'un groupement dénommé Garci Sahel. Objectif donc renforcer la sécurité au niveau de la province du Bata. Railaj Dongostan. À l'instar des autres provinces, celle du Bata accueille en ce samedi la visite de travail et d'inspection du directeur général de la gendarmerie nationale. Après son accueil par le commandant de la Légion numéro 12, le général de division Ismaël Issa Kachek et sa suite sont allés présenter leur civilité au gouverneur Djimta Bendergon qui avait à ses côtés pour la circonstance ses proches collaborateurs. Le chef de mission a saisi cette opportunité pour situer le but de son déplacement, qui est celui de transmettre les fermes orientations du président de transition, président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, par ailleurs chef suprême des armées, à l'ensemble des forces de sécurité intérieure en matière de la préservation de la sécurité des personnes et leurs biens d'une part et d'autre part, celle relative au rayonnement de l'institution. Outre les hommes entrés, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Ismaël Issa Kachek, va rencontrer les autorités administratives, traditionnelles et religieuses pour leur situer les missions dévolues à la gendarmerie nationale
ainsi que de nouvelles innovations entreprises dans le cadre de sa redynamisation. Une mission de sensibilisation et de vulgarisation du nouveau système de paiement des taxes et impôts séjourne dans la partie méridionale du pays. La mission est conduite par le directeur général adjoint des impôts, Hassan Brit Djamous. Première étape, Mandelia et Glendeck. Ali Mamad Bello. Le directeur général adjoint des impôts, Hassan Brit Djamous, en mission dans le sud du pays, dans le cadre de la réforme fiscale, marque d'abord un arrêt à Mandelia. Sur place, lui et ses techniciens procèdent à la vulgarisation du nouveau système. Le e-tax, le paiement des taxes et impôts en ligne, et le paiement des impôts général libératoires par les téléphonies mobiles. Une nouvelle approche mise en place pour lutter contre la déperdition des recettes. Pour éviter la déperdition de finances publiques, pour éviter aussi la déperdition de recettes fiscales, nous sommes obligés de venir ici, à commencer à Mandelia, à Glendeck, de venir expliquer, vulgariser, sensibiliser sur ces nouveaux systèmes. Après Mandelia, la mission met le cap sur Glendeck, au centre de la sensibilisation, la digitalisation des systèmes. Et pour les chefs des missions, le délai accordé par le ministère des Finances pour basculer intégralement dans ces nouveaux systèmes et des 6 mois. Nous avons pris un engagement sincère, franchement très ferme. Donc, au bout de 6 mois, le ministre nous a donné 6 mois pour concrétiser la digitalisation effective, l'informatisation effective. Donc, ça va être en juin. Ça veut dire, fini juin, nous devons rendre tout effectif. C'est-à-dire, le contribuable va télédéclarer, télépayer, et puis tout doit être en ligne. Le contribuable n'a pas besoin d'aller dans les centres des impôts pour le faire. Cette réforme, il faut le rappeler, est l'une des exigences contenues dans la loi des finances 2023. L'informatisation des services des impôts. Et ceci dans l'optique de faciliter aux contribuables les procédures fiscales, d'autant plus que les e-tax leur offrent la possibilité de déclarer et payer en ligne. Voilà, et puis nous apprenons à l'instant que de Glendeck, le cap a été mis sur Bangor. Une importante rencontre de travail a été tenue par le directeur général adjoint des impôts. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Ali Mamad Bello. Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, pas de dimanche pour le directeur général adjoint des impôts. Hassan Brit Djamous, en mission dans le cadre de la réforme fiscale, rencontre les opérateurs économiques. Ce sont eux les contribuables et le directeur général adjoint veut qu'ils s'approprient les nouveaux systèmes, le e-tax et le paiement d'impôt général libératoire via les téléphonies mobiles. E-tax, c'est la digitalisation, c'est l'informatisation des recettes pour éviter la déperdition des finances publiques. Donc, ces nouveaux systèmes permettent de sécuriser en quelque sorte les recettes fiscales. Le finance public en général. À la suite du directeur général adjoint, les directeurs techniques se sont relayés, chacun dans son domaine, pour expliquer aux opérateurs économiques les procédures dans tous les détails. Plus besoin désormais des papiers, plus besoin désormais de se déplacer pour cette opération. Le paiement des impôts et taxes est digitalisé. Voilà, dans ce système, c'est beaucoup de papiers. Donc, la politique du gouvernement, c'est la digitalisation, c'est la modernisation. Donc, avec, comme vous le constatez, le monde évolue. Donc, maintenant, tout le monde a un téléphone. Au lieu d'aller se planquer dans une chaîne de la banque pour payer, par exemple, son impôt, directement, automatiquement, avec son téléphone, il peut payer. Après 2 heures d'échange, les opérateurs économiques sortent de cette réunion mieux informés du nouveau système. Ils s'engagent dans la foulée à s'arrimer à la nouvelle donne conformément à la vision des autorités du pays. Et nous vous l'annoncions hier, la caravane de sensibilisation pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble, dirigée par le conseiller Abel Maïna, a sillonné toutes les 5 sous-préfectures du département de la Tangélé-Ouest pour véhiculer le message de paix et de réconciliation à la population. David Madikoutou.
Cette caravane du message de paix, de réconciliation, de la cohabitation pacifique et de l'unité des fils et filles du département de la Tandjilé-Ouest s'inscrit dans la logique des conclusions issues du dialogue national inclusif et souverain du 20 octobre 2022. La mission a sillonné toutes les 5 sous-préfectures du département de la Tandjilé-Ouest dès son arrivée à Kélo. Elle a rendu visite de civilité au préfet Doud Souleymane Ousmane en présence du maire de la ville de Kélo, Bissingal Bazo, afin de lui présenter l'objet de la mission. Après cette visite, la mission a mis le cap sur la sous-préfecture de Dogou, Bartoro, sans oublier les cantons Bayaka, Bagay et Galama. À chaque étape de la caravane, le conseiller Abel Maïna a, dans un langage franc, en langue du terroir, invite les jeunes et toute la population à cultiver la paix, l'amour du prochain et l'unité de tous les filles et fils du Tchad, gage d'un développement harmonieux durable d'une nation. Le conseiller Abel Maïna est appuyé dans son message par le conseiller national de transition Amolatoa Golbey qui, sans détour, exhorte vivement ses frères et sœurs à apporter leur soutien total au gouvernement de transition dans ses efforts quotidiens pour instaurer la paix et la stabilité vœu très cher aux autorités de la République. La conseillère à l'habitat et à l'urbanisme Rahiana Adam, quant à elle, a saisi l'opportunité de la semaine de la femme tchadienne pour inviter ses sœurs de la Tandjilé à sensibiliser et éduquer leur progéniture sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique dès leur bas âge. Selon elle, la femme est le symbole de la paix et du développement d'un pays. Le conseiller Mustapha Tolko a axé son intervention sur la tolérance en invitant les uns et les autres à vivre en harmonie avec les autres communautés sœurs. Le préfet Doud Souleymane Ousmane et la sous-préfète de Dogou, Hawa Boukar, ont salué à sa juste valeur cette caravane de paix et de réconciliation et de l'unité conduite par le conseiller Abel Maïna dans leurs circonscriptions administratives respectives. Voilà, à l'issue donc de cette caravane, un grand meeting a été organisé à Kélo. Nous y reviendrons en son et en image dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la vulgarisation des recommandations et résolutions issues de la conférence des gouverneurs, les autorités administratives de la province du Bata mènent la tournée dans les différentes localités. Au cours de ces visites, elles ont salué les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les zones des recherches minières. Reportage Kandata Wamia. Un mois après la tenue de la conférence des gouverneurs, les responsables des unités administratives et les forces de défense et de sécurité œuvrent davantage pour le maintien de la paix et de la stabilité dans leurs provinces respectives. Dans la province du Bata, c'est le préfet Abdrahmane Mustapha, représentant le gouverneur de la dite province, qui est allé transmettre à la population les orientations issues de cette conférence. De la localité de Tchaga au village Alaye, Atia, Arebe, zone de recherche minière, le représentant du gouverneur appelle la population à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Cette tournée a permis aux responsables de la province du Bata d'amener la presse nationale sur le site aurifère de Tchaga afin de s'imprégner des réalités et surtout des allégations mensongères portées sur les forces de défense et de sécurité dans les zones de recherche. Pour le préfet de Yao Fitri, ces allégations n'ont pour but que de ternir l'image de ces éléments, surtout les efforts qu'ils ne cessent de fournir. Au cours de ces visites, le groupe Gemia a offert des dons composés de sacs de mil et d'autres produits de première nécessité à la population du village Alaye, situé dans le périmètre de recherche. Le directeur général du groupe Gemia Minéral a vivement salué les efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de maintien de la paix et de la sécurité de la population tchadienne. Le chef de canton, Medego, Shigefa Mohamed Moussa, se dit très reconnaissant des efforts menés par les plus hautes autorités pour la consolidation de la paix dans cette partie du pays. Voilà, au bas de ce journal, la clôture avec la clôture du festival, la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou, au Burkina Faso. On fait le point avec notre envoyé spécial, Innocent Kilayo. La 28e édition du FESPACO a rendu son verdict final au palais de sport de Ouagadougou, où le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris personnellement part. Un verdict qui n'a pas souri aux cinéastes tchadiens,
car aucun de leurs films n'a obtenu un étalon. Le jury du FESPACO a décerné l'étalon d'or de Yenega au film de long métrage du réalisateur tunisien Youssef Chebbi. Le Tunisien remporte l'étalon d'or de Yenega plus une somme de 20 millions de francs CFA. Le comité d'organisation de cette 28e édition a présenté un bilan réussi avec une participation massive des cinéastes ainsi que les récompenses qui ont accompagné les prix. Les cinéastes tchadiens repartent avec la mention spéciale du jury attribuée hier au film d'animation de Salma Halil. Ils entendent mieux se préparer pour l'édition de 2025. Le programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale et le projet d'appui à la régulation de la transhumance a lieu donc un atelier donc qui a été organisé à Pala, c'est dans le Mayo-Kébi au ouest, comme nous l'indique ici dans ce reportage signé Oumarou Abba. La rencontre vise la mise en place d'un comité local de suivi technique en vue d'assurer le suivi opérationnel rapproché des activités et les résultats des projets du programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale, PERIAC, et le projet d'appui à la régulation de la transhumance transfrontalière en Afrique centrale. L'atelier a regroupé les délégués des ministères sectoriels, les représentants des organisations de la société civile et les leaders religieux. Plusieurs présentations ont ponctué la rencontre en vue de permettre aux forces vives de la province à s'approprier les projets. Selon le délégué provincial de l'élevage, Dr Haïndi Laurent Dadaz, le comité local de suivi permettra de corroborer les actions des projets en vue de donner une bouffée d'oxygène à l'élevage transhumant. Le comité local de suivi technique sera l'organe de contrôle et d'orientation de l'exécution des projets au niveau de la province, a indiqué le gouverneur Idriss Gad Abderrahman. Les objectifs visés par le PERIAC contribueront à apaiser la gestion de la transhumance frontalière, a-t-il soutenu. Lancement à Faya de la campagne de vaccination contre la COVID-19. C'est le gouverneur qui a lancé donc les activités. Abdallah Demil est notre correspondant sur place. À l'instar des 12 autres provinces du pays retenues par le ministère de la Santé publique et de la Prévention dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, à Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, le gouverneur Ali Maïde Kébi a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la COVID-19, deuxième tour du bloc 2 prévu du 3 au 12 mars 2023. 104 agents vaccinataires mobilisés dans les trois districts sanitaires au service de 45 258 personnes âgées de 18 ans et plus. Dans son intervention, le délégué provincial sanitaire, Dr Saleh Kouré, a sollicité une mobilisation digne de son nom afin de couvrir toute la province du Borkou. Pour une Borkou sans COVID-19, le gouverneur Ali Maïde Kébir invite la population à se rendre massivement dans les sites de vaccination retenus pour se faire vacciner, car seule la vaccination et le respect des mesures barrières permettent de rompre la circulation de cette maladie à la fois contagieuse et mortelle, ajoute-t-il. Pour rassurer l'efficacité et l'importance du vaccin qui ne présente aucun autre danger, quelques autorités ont été vaccinées sur les lieux de la cérémonie. À Fada, dans l'Enedi, c'est la campagne de vaccination contre des bétails, qui a été lancée. Oumar Tidjani. Le centre de santé de Fada a servi de cadre pour le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province de l'Enedi-Ouest. Dans son intervention, le délégué provincial de la santé publique et de la prévention, Dr Youssou Mamad Ali, a souligné que les stratégies fixes et mobiles seront utilisées et les agents vaccinataires se rendront dans les villages, fériques et quartiers pour administrer le vaccin Yoxon aux personnes âgées de 18 ans et plus, dont la cible de la province est estimée à 37 602 personnes. Dr Youssou Mamad Ali a remercié les plus hautes autorités de la République pour leur engagement dans la lutte contre la maladie à COVID-19 et les partenaires pour leur appui multiforme en faveur de la santé de la population. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Abel Nakassala Diako, qui a officié cette cérémonie. La cérémonie
qui témoigne l'intérêt que vous portez à cette campagne de vaccination pour lutter contre la COVID-19. Ceci s'inscrit dans l'agenda du gouvernement tchadien à travers le ministère de la Santé et de la Prévention à faire du Tchad un pays sans COVID-19. La cérémonie a pris fin par la vaccination de quelques responsables civils et militaires. Voilà, toutes nos excuses, c'était plutôt là. La vaccination contre la COVID-19, toujours organisée donc à Fada, dans l'Enedi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous retrouve très très bientôt, Inch'Allah, avec le même plaisir. Bonsoir.